Pour procéder à une restructuration, tapez 1. Okay. Pour procéder à la délocalisation complète de l'entreprise, tapez 2. C'est trop tôt, pour écouter Rondo Veneziano en toute quiétude, ne tapez rien. Profitez. Alors oui, je suis de retour en deuxième semaine, ce qui n'était pas joué d'avance quand on sait l'accueil absolument glacial que m'a réservé Nagui vendredi dernier. Je me rappelle, j'étais un poil tendu, enfin un poil tendu. Donc mon ulcère venait à peine de tourner à l'hémorragie interne, mais je tenais bon. Je me disais que c'était probablement ça aussi, le music hall. C'est là que Nagui, surexcité par la tablée véreuse et sensiblement brutale qui lui sert de bande, a introduit mon tout premier billet en France d'un très encourageant. C'est sa première chronique et peut-être aussi sa dernière. Ah 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 ah. Je vous le souhaite. J'ai pas dit ça. Si, vous avez dit ça. Je crois, ouais. Ah ah ah, donc, qui, je vous le souhaite, fera autant rire les prud'hommes quand nous y réglerons cette petite histoire de harcèlement moral. Margaret lui a dit, Tim, quand même, 13 milliards sur 200, c'est pas grand-chose. Déjà, on dit rien pour l'exploitation dans les usines, les enfants dans les mines de coltan, la destruction de la planète. Ça, c'est pour nous, on passe l'éponge. Mais fais un petit effort, juste pour le principe. Tim lui a répondu, non. De toute façon, je peux pas payer, Apple fait pas de bénéfices. Ni en Europe, ni aux États-Unis, ni en France, rien. Mes bénéfices, je les fais au pays imaginaire. Et puis hier, on a trouvé une voiture pleine de bonbonnes de gaz près de Notre-Dame de Paris. Vous connaissez la célèbre phrase souvent attribuée à Goebbels. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. En réalité, elle est de Hans Jost, un dramaturge nazi. Moi, dès que j'entends le mot attentat, je sors ma vodka. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à Paris, il y a deux sortes de nihilistes. Ceux qui ont une kalachnikov et ceux qui commandent un autre verre. Vendredi dernier, je mangeais des lasagnes quand j'ai appris qu'une classe de 3e avait fabriqué un clitoris en 3D. Oui, faut dire que les lasagnes et le vagin ont ceci en commun, qu'on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Oh non, si. Oh non. Enfin, à moins d'avoir un cuisinier professionnel à domicile, mais perso, l'idée de Joël Robuchon en train de monter sa béchamel, moi ça me... Vous l'avez invité parce que vous n'avez pas eu le choix. Et oui, ça y est, le Berlay en nouveau est arrivé. Comme chaque année, tel le Beaujolais, il revient avec une nouvelle cuvée. Alors, je rassure les auditeurs, hein, le Berlay en nouveau a plus souvent le goût de banane que de carotte. Non, mais c'est positif. Ah bon ? Bah oui, il donne la banane, voilà. Ah, et comme un bon vin, vous êtes bonifié avec le temps, François. Bon, comme un bon vin, il y a aussi un peu de dépôt au fond, mais enfin, ça, c'est pas très grave. Ah bah, pas tous les jours, j'ai des couches culottes. Tout à fait, Charline, et on va pas tourner autour du pot. Oui, il est urgent de démanteler la jungle de Calais. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est le 7 septembre et qu'il n'y a plus de Coupe d'Europe de football ni de Jeux Olympiques pour oublier que ces migrants existent, tout simplement. Alors, bien sûr, le but, c'est pas de stigmatiser les réfugiés ni de tirer sur l'ambulance. Non, le but, c'est de prendre cette ambulance et de la mettre dans un avion direction son pays d'origine. Je suis super chaud pour ma chronique littéraire. Wouhou !